La science peut-elle être un chemin vers Dieu? Pour répondre à cette question, je reçois Richard Bastien, journaliste, économiste et ancien haut fonctionnaire pour le gouvernement canadien. Bonjour monsieur. Bonjour. Richard Bastien, vous publiez donc cet ouvrage « Le crépuscule du matérialisme » chez Salvator. Je commencerai par ici, Richard Bastien, la science est incompatible donc avec la foi chrétienne, c'est ce qu'assurent les penseurs athées modernes. Vous dites-vous qu'il s'agit d'un mensonge, expliquez-nous. Oui, je dis qu'il s'agit d'une gigantesque fumisterie et il suffit pour s'en convaincre de lire ce que disent tous ces athées sur la religion. Ils n'évoquent jamais d'arguments rationnels. Ce qu'ils nous proposent, c'est au fond un acte de foi, si je peux dire, un acte de foi laïciste, mais il n'y a aucun argument. Et d'ailleurs, l'athéisme ne peut pas être rationnel parce qu'il est improuvable. On ne prouve pas une proposition négative. Il n'est pas révélé. Et voilà. Voilà. On ne peut pas prouver quelque chose qui. On ne peut pas prouver l'inexistence de quelque chose. On ne peut pas prouver le nihilisme, quelque part. On ne peut pas prouver le nihilisme. Voilà. Ouais, oui, exactement. Et je vous dirais d'ailleurs que un des athées les plus honnêtes que nous ayons eu, c'est le mathématicien britannique Bertrand Russell. Et Russell dit, je le cite dans mon livre, il dit « Il nous faut bâtir nos vies sur le solide fondement du désespoir. » Donc c'est un aveu d'impuissance. Mmh. – Oui, le désespoir, c'est un petit peu la devise de tous les nihilistes, quelque part aussi. – Exactement. Cette incompatibilité donc entre science et foi chrétienne, il s'agit, dites-vous, je vous cite, d'un projet idéologique visant à nier l'existence de Dieu et à neutraliser l'influence du christianisme. Vous n'avez pas peur d'être taxé, d'être traité de paranoïaque avec ce genre de déclaration? Je ne le crains pas parce que j'invoque les témoignages des athées, de ces hommes de science qui se disent athées, ou de ces philosophes qui se disent athées, pour justifier mon propos. Vous lisez des philosophes comme Thomas Nagel aux États-Unis, et même en France, regardez, je le citerai d'ailleurs tout à l'heure dans l'entretien, Thomas Nagel. Oui. En France, il y a une tradition laïciste athée. On pense à Ernest Renan, l'auteur du discours sur l'esprit positif, Auguste Comte. Vous lisez ces auteurs, vous ne trouvez aucun argument appuyant l'athéisme. Vous trouvez seulement des pétitions de principe. Et c'est tout. Et donc, les instigateurs de ce projet idéologique, donc, qui nient le fait que science et foi chrétienne puissent être reliées, qui sont-ils? C'est ces auteurs, Auguste Comte? Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un projet idéologique qui remonte à plus loin? C'est-à-dire que, oui, ça remonte au fond au XVIIe siècle. Francis Bacon, qui était un homme de science britannique, et considéré un peu comme le père de la révolution scientifique du XVIIe siècle, affirmait qu'il y a incompatibilité entre foi et science. Mais encore là, il ne donnait... Et pourtant, il était chrétien. Il était nominalement chrétien, oui. Mais il ne donnait aucun argument. Pour lui, la religion, c'était affaire de sentiments. C'était un acte de foi, était un acte qui faisait complètement, qui ignorait complètement la raison. Donc, le simple fait de croire en Dieu, pour lui, n'avait rien à voir avec la raison. Mais c'est faux, c'est faux. Il y a des arguments qui démontrent que l'existence de Dieu est fondée en raison. Et aujourd'hui, la science, les découvertes scientifiques des 100 dernières années indiquent
que, non pas que, que Dieu existe, la science ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais la science peut nous conduire à des conclusions qui démontrent qu'il n'y a rien en elle qui soit incompatible avec la foi. Bien au contraire. On pourrait dire que la science nous donne des arguments de nature probabiliste, si vous voulez, de l'existence de Dieu. Et puis, bon, D'accord. Richard Bastien, vous dites, vous écrivez, vous expliquez par ailleurs dans votre ouvrage qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent être cohérents et heureux dans leur vie. Pourquoi pas un athée ? Ah ben parce que, comme dit le père de l'athéisme moderne, Bertrand Russell, et je cite encore, « Il nous faut bâtir nos vies sur le solide fondement du désespoir. » C'est ce que j'aime à propos de Russell, c'est son honnêteté intellectuelle. Et donc, vous voyez, à moins de dire que désespoir et bonheur peuvent aller de pair, ce qui est une absurdité, il faut conclure qu'il est impossible à un véritable athée de se dire heureux, puisqu'il vit dans le désespoir. – Mais qu'est-ce que vous lui diriez à cet athée qui vous dirait « mais moi je suis heureux » et puis peut-être que je suis même plus heureux qu'un chrétien ?– Oui, alors je lui dirais « lisez saint Thomas d'Aquin, lisez l'épreuve de l'existence de Dieu, lisez même les grands savants, les scientifiques qui ont la foi. Voyez par exemple que un homme comme Louis Pasteur, père de la microbiologie, il était un chrétien fier de l'être. Gregor Mendel, le père de la génétique, c'était un moine. Francis Collins, qui est le maître de l'étude du génome humain, est un chrétien fier de l'être aussi, et d'ailleurs qui témoigne publiquement de sa foi. Et je pourrais multiplier les exemples. – Et vous expliquez, Richard Bastien, que l'Église catholique n'a pas nuit au développement de la pensée scientifique, mais qu'elle l'a même encouragée. – Ah ben oui, oui, parce que ce qu'on ignore généralement, c'est que il y a eu d'abord la religion juive et ensuite le christianisme, qui ont toujours prêché, qui ont toujours annoncé que Dieu est raison. Dieu est logos, c'est-à-dire une raison créatrice. Ça, c'est la première chose. Et donc, la création ne peut être qu'un reflet de cette raison. Et ce que nous dit la science, c'est qu'il y a dans la nature, dans le monde créé, il y a une intelligibilité que notre intelligence humaine arrive à déchiffrer, à comprendre. Il y a une correspondance parfaite entre notre intelligence et l'intelligibilité de la nature et même de la matière. C'est quand même révélateur de quelque chose. Vous le dénoncez, vous en parlez dans votre ouvrage, vous dites voilà, que certains penseurs athées voient les croyants comme des sortes de déficients mentaux. Comment vous expliquez cette forme d'arrogance un petit peu des athées contre les croyants ?– Tout à fait, c'est une manifestation d'arrogance et de mépris. Eh bien oui, c'est une façon pour eux de justifier, si vous voulez, leur attitude, leur refus de la divinité. Et ils ne peuvent pas justifier intellectuellement ce refus, et donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils rejettent avec mépris les personnes qui, eux, témoignent de leur foi, tout simplement. – Vous le citiez dans votre ouvrage, on en parlait tout à l'heure, Thomas Nagel, ce philosophe américain, il écrivait « J'espère qu'il n'y a pas de Dieu, je veux qu'il n'y ait pas de Dieu ». Qu'est-ce que cela vous inspire ?– Nagel, que j'aime beaucoup aussi, justement à cause de son honnêteté intellectuelle, ce qu'il nous dit, c'est que le matérialisme contemporain n'est pas le résultat d'une réflexion profonde, vous savez, sur la nature des choses. Non, c'est plutôt un a priori qui n'a aucun fondement en raison. Et, bon, je mentionne Thomas Nagel,
Je mentionne également d'autres scientifiques. Vous citez Marx, vous citez Freud, etc. Mais parmi les scientifiques également, Loventon et d'autres, Feuerbach. Jamais ils ne peuvent rendre compte de leur athéisme. Ils ne peuvent pas en rendre compte au plan intellectuel. Et d'ailleurs, Karl Marx le disait, on connaîtra bien cette citation, « La religion est l'opium du peuple ». Comment est-ce que vous expliquez que ce penseur athée puisse comparer la religion à une drogue ? Oui, ben je vais vous dire, c'est de la projection, au fond, c'est de la projection psychologique. Lui, il avait besoin de son athéisme comme d'une drogue. Pour se justifier, il la projetait sur les croyants. C'est la seule explication qu'on peut donner, à mon avis. Et comment convaincre un athée que la religion pour un croyant n'est pas une drogue ? Je leur donnerai d'abord le témoignage des martyrs, des saints qui ont donné leur vie, souvent, pour leur foi. Ils vont leur dire, c'est un déficient mental, il était complètement cinglé, il a donné sa vie parce qu'il était fou. Oui, dire que Mère Teresa, que Jean Vanier, que Sainte Thérèse d'Avila, que Saint Jean-Paul II sont des déficients mentaux, ils peuvent le dire s'ils veulent, mais ils ne convaincront pas beaucoup de monde. Et puis je leur dirai, que dites-vous de tous ces grands scientifiques, ces grands savants et ces grands philosophes qui, eux, sont croyants. Et j'ai mentionné Gregor Mendel, Louis Pasteur, même le père de la physique quantique, Max Planck, un chrétien qui témoignait publiquement de sa foi, lui aussi. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a des douzaines, des centaines de grands esprits scientifiques qui ont témoigné de leur foi. Dire que ce sont des déficients mentaux, c'est quand même un peu fort. Et alors, toujours avec Marx et Freud, vous leur reprochez le fait qu'ils veuillent expliquer l'attrait pour la croyance qu'à travers une recherche de bien-être psychologique. Oui. Je parlais avec une amie l'autre jour, elle me disait, mais en fait, vous, les croyants, vous avez, c'est parce que vous avez besoin de vous faire du bien, c'est parce que vous êtes faible. Oui, c'est une béquille. La religion est une béquille. Oui. Mais ça, c'est une explication psychologique, comme vous dites. En termes philosophiques, je dirais, c'est une explication utilitaire. Vous voyez, c'est pour nous aider à soutenir le poids, le fardeau de la vie, ce genre d'explication, vous connaissez. Mais alors, c'est que les matérialistes ne peuvent pas trouver d'autres explications. Ils sont forcés par leur matérialisme de dire, il faut que ça remplisse une fonction quelconque. Il faut que ça ait une quelconque utilité, c'est l'explication utilitariste. Alors, il y a un passage que j'aime beaucoup dans votre ouvrage, c'est cette référence à la beauté, et vous citez ce scientifique français, Louis de Broglie, mort en 1987, donc c'était un mathématicien, physicien. Il explique que le sentiment esthétique lui servait souvent de guide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où il voulait en venir ? Ah oui, ce sont les témoignages des scientifiques. Ils sont unanimes à dire que la beauté de la structure, des lois de la nature, est un guide, en quelque sorte, pour comprendre la nature. Ce qu'ils nous disent, c'est que la beauté, au fond, est un indice ou un indicateur de la vérité. C'est très beau, hein. Je crois qu'il expliquait qu'il avait trouvé une équation et il trouvait que le résultat était tellement parfait qu'il s'est dit, je vais m'appuyer sur cette équation pour trouver quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, il a fait une découverte majeure à la suite de cette découverte qu'il trouvait magnifique. Oui, exactement. Et beaucoup de témoignages comme ceux-là. Einstein lui-même disait la beauté est presque nécessaire dans la compréhension des lois scientifiques. Si on ne voit pas la beauté d'une loi scientifique, alors
elle est de peu d'intérêt, disait-il. Et alors, évidemment, vous parlez du Big Bang dans votre ouvrage, Richard Bastien, et c'est vrai que beaucoup de scientifiques se sont penchés sur ce phénomène à l'origine de l'univers, qui explique que, voilà, cette matière grande comme un point ou grand comme une orange, et qui a explosé, qui a donné l'univers, mais qui a créé cet amas de matière, parce que l'énergie n'est pas automotrice, donc... Forcément, tous les scientifiques se disent, mais d'où vient cette force ? Oui, exactement. Écoutez, jusqu'aux années 1950-1960, il y avait quasi unanimité chez les physiciens et les astronomes que l'univers avait toujours existé. En d'autres mots, il y a une éternité vers le passé. Est-ce qu'il y a un début et une fin, ou est-ce que c'est infini ? Il disait c'est infini. Ouais. Il n'y a pas de début, vous voyez. Et donc, il y a... Einstein était de ceux-là. Mmh. Et beaucoup d'autres scientifiques éminents. Et voilà qu'un physicien belge, assez peu connu, qui est également un prêtre de l'Église catholique, publie un article en 1927 dans une revue où il dit qu'il est possible de concevoir que l'univers est né d'une explosion, d'une singularité, et qui remonterait à plusieurs milliards d'années. L'article est passé presque inaperçu au début, notamment parce qu'il avait été publié en français et la plupart des astronomes étaient de langue anglaise ou allemande. Et donc, un autre article est publié quelques années plus tard où il reprend son explication. Et là, on se met à en débattre dans les milieux scientifiques. Et la plupart des grands savants de l'époque disent « Non, c'est impossible. » D'où l'expression « Big Bang » qui était une façon de dire que c'était dérisoire comme explication. Mais voilà qu'il y a eu d'autres découvertes qui sont venues par la suite qui ont confirmé l'hypothèse de Georges Lemaître. Donc il y a eu tout d'abord la découverte, j'explique ça un peu dans le livre brièvement, d'un déplacement vers le rouge de certaines zones de notre galaxie. Et ce qui, apparemment, selon les physiciens, indique, c'est le signe d'une explosion, de particules qui s'éloignent à une vitesse grandissante, qui serait le résultat d'une explosion. Et là, on s'est mis à débattre de ça, mais il n'y avait pas d'unanimité. Et puis, quelques années plus tard, deux astronomes américains ont découvert un bruit de fond dans l'univers galaxique. Et ce serait le souvenir de cette explosion ? C'était l'effet sonore, l'écho, oui. L'écho de cette première explosion. Et là, tous les hommes de science, tous les physiciens se sont rendus. Donc vous voyez, il ne faut pas trop se fixer sur certaines idées. En science, il y a des révolutions. Georges Lemaître a été le père d'une de ces révolutions. – Ça m'a intéressé, Richard Bastien, dans votre ouvrage, vous citez le sondage du Pew Research Center de 2009, selon lequel plus de la moitié, 51% exactement, des scientifiques américains croient en Dieu. Oui. Je trouve ça, c'est intéressant de voir que malgré la formation de ces gens, de scientifiques, eh bien, ils croient en Dieu et donc ne sont pas matérialistes, ils croient en l'extraordinaire. – Tout à fait. – À l'improuvable. – Tout à fait. Et il dit, l'improuvable, non. – Dieu n'est pas prouvable. – Si, l'existence de Dieu est prouvable. On ne peut pas prouver que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est un acte de foi. Mais l'existence de Dieu est quelque chose que l'on peut prouver, mais pas par la science, par la métaphysique, par des arguments philosophiques. Ce que la science peut nous dire, c'est qu'elle a des conclusions. Les conclusions à laquelle elle arrive vont dans le sens de l'existence d'une intelligence suprême. Mais ce n'est pas une preuve. La science ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Elle peut seulement dire il y a des bons indices, c'est tout. Il ne faut pas exagérer l'importance
métaphysique de ces conclusions-là. Ma dernière question, Richard Bastien, selon la science, l'homme commet une erreur en revendiquant sa prééminence sur les autres espèces. Qu'est-ce qui lui permettrait d'affirmer cette prééminence ? L'homme vaut-il mieux qu'un dauphin ou qu'un chien ? Oui. Il y a des biologistes aujourd'hui qui nous disent que finalement, il y a une intelligence animale. Il y a même des animaux qui ont un langage très primitif. Et donc, la différence entre l'homme et entre la nature humaine et les animaux est tout simplement une différence de degré, mais pas une différence de nature, une différence ontologique. Mais pas du tout. C'est que les animaux, oui, c'est vrai qu'il y a des animaux qui ont une raison instrumentale. On sait par exemple que certains singes peuvent faire des outils très primaires. Mais chez les animaux, il n'y a pas de... On ne s'interroge pas sur le pourquoi des choses, ni sur la beauté des choses. Et ça, ce sont des questions métaphysiques. Mais l'intelligence de l'homme, n'est-ce pas qu'une différence de degré avec celle du chimpanzé, par exemple ? Si vous voulez parler de la raison instrumentale, la raison pratique, peut-être. Parce qu'on sait que le chimpanzé a, vous l'expliquez, 97% de génome d'ADN. En commun avec l'homme. Oui. Donc, où est la différence entre un homme et un chimpanzé, au fond ? Dans l'ordre de la pensée instrumentale, c'est-à-dire du sens pratique des choses, il se peut qu'il y ait seulement une différence de degré. Seulement, la raison humaine n'est pas seulement instrumentale. Elle est également métaphysique, si vous voulez. Elle est à la fois physique, ce que je disais instrumentale, mais elle est aussi métaphysique en ce sens qu'elle pose la question du pourquoi ceci et pourquoi cela. Regardez les enfants, les jeunes enfants, ils disent « pourquoi ça ? Qu'est-ce que c'est ?» Ils s'interrogent sur la nature des choses. Donc nous sommes nés avec une raison qui n'est pas seulement physique, mais également métaphysique. C'est la question du pourquoi, par opposition à la question du comment. Richard Bastien, je rappelle donc le titre de cet ouvrage passionnant, Le crépuscule du matérialisme, c'est édité chez Salvator. Merci Richard Bastien d'être venu sur le plateau de TV Liberté. Merci à vous.